Et bonjour, alors. Ah bah il y a déjà le son du jeu, c'est parfait. On va pouvoir continuer, on va pouvoir se faire la thé. Alors il y avait qui? Il y avait le boss viking, que j'ai toujours pas battu. Le boss caillou, je l'ai battu. Le boss à l'épée, voilà. Je compte sur mes doigts, vous voyez pas mes doigts, c'est magnifique, mais vous inquiétez pas, c'est normal, c'est classique. Et le boss démon. Et donc là, on n'est pas loin du boss démon. Ouais, c'est ça, si je descends, je suis vers le boss démon. Celui que j'ai le plus de chances de battre. Soyons honnêtes. C'est celui à l'épée. On va essayer. On va essayer. Ouais, je vais investir. Le hameau. Ouais, c'est vrai que je peux aussi. Je pourrais aussi. Farmer pour une hache plus puissante. C'est-à-dire que je connais un monstre qui m'offre les morceaux qui vont bien. Du coup. Attendez, à chaque fois j'en parle. Les chats qui font tout bouger, c'est magnifique. Eh non, c'est. Je sais pas. Je sais pas quel est le con qui est mort. Bah oui, non, mais là, je sais pas sur quoi t'as appuyé le chat comme bouton. Le chat qui appuie toujours sur un bouton en mode. Ah oui, non. Donc forcément, après, on est en mode. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce bruit sur l'imprimante? Bah oui, le chat, t'as appuyé sur un bouton qu'il fallait pas. Voilà. Il a pas ses copains. Ah marrant, les trucs d'Halloween ont changé. Les trucs d'Halloween, enfin les lanternes ont changé puisque c'est la période d'Halloween et du coup ça devient des citrouilles, c'est rigolo. Hache de mutilateur brutal. Ouais, je l'ai déjà eu, je m'en fous. T'es en train de me dire, est-ce que je l'ai déjà eu? Mais oui, je l'ai déjà eu, donc je m'en fous. Allez, entretuez-vous, je prends les survivants. J'avais pas vu qu'il y avait un bateau posé, donc ça veut dire qu'il y avait la mer pendant un temps, ça se trouve. Il m'a touché le con. Il m'a touché. Alors attendez. Alors, si on doit se fighter un boss. On se prépare quand même un minimum. Est-ce qu'il était sensible au poison? Je crois pas, la dernière fois j'avais rien vu. Ok. On va se régénérer comme ça. On va attendre. Petite régénération. Voilà. Je suis full. Ah putain, la tabulation de la parade qui marche pas, je suis mauvais. Parce que c'était pas tabulation pour parer.
Ah oui, non, mais si je fais de la merde là en appuyant sur tous mes. Oh non, mais là j'ai fait de la merde. Ouh là 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 là. Ah, j'étais plus que mauvais. J'ai totalement planté mes touches, mais alors là. Pouf. Tabulation, c'est pour switcher son mode d'arme. J'ai confondu avec la parade, forcément, j'ai fait de la merde. Et à un moment, j'ai mal replacé mes doigts, donc bah. Voilà, j'étais pas prêt de faire quoi que ce soit de bien. Quand je fais de la merde, forcément, il faut le reconnaître. Il se fait tuer par quoi, ce con? Tac, tac, tac. Là. Il y a eu un drôle de bruit, je sais pas si c'était dans le jeu ou chez moi. Ah mais ils étaient deux, ils trichent. Ah putain. Je suis con. Désolé, j'essaye de détecter. Ouais, non, ça a l'air d'être chez moi. Attendez! Ah si, c'est par là. Ah, c'est quoi ce chemin à la mort moelle-neu que ça me fait prendre? Tout ça pour tuer ce mec. Il y avait 10 fois plus rapide. Voilà. Il y avait quoi déjà derrière ça? Il y avait juste une petite zone. Ah ouais, tout ce chemin juste pour tuer comme ça. Ah oui. Faudrait me demander. Est-ce que ça vaut pas le coup que j'essaye d'aller voir combien il me faut de morceaux de pierre là pour évoluer? Comme ça. Mais il en fallait deux, je crois, pour passer en mode plus 6. Du coup, maintenant, il m'en faut 4. Donc ça double. Donc partons sur cette idée-là. Donc 4. Pour le prochain, il en faudrait 8. Et celle d'après encore. 16? Non. Non, je pense pas. Je dis vague, vague. Parce que je suis en train de me dire, si. Si je le level up au max, mon bouclier. Je vais faire mal. À force. Enfin, mon bouclier, ma hache. À force. Je vais défoncer le mec. Donc, c'est parfait. Donc, il va falloir que je farme ces petits objets. Réfléchissons comme ça. J'en ai zéro. Si je farme cet objet. Que je peux avoir au marécage assez rapidement face à un ennemi quand même assez costaud. Potentiellement, je sais où il y en a deux des comme ça. En considérant que chacun des deux me file un objet. C'est tout bénef. Tant pis si je meurs. Toi, eux, je les one-shot même pas, donc du coup. Comme je les one-shot pas.
Autant que je continue à m'entraîner pour être assez balèze au niveau de mon arme pour les one-shotter. Parce que oui, là, comme je suis en train de monter, je crois que c'est ma vigueur, ma vitalité. J'augmente. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser, je l'ai à combien? Je l'ai à 30. Je crois que j'ai 2 points dedans. Donc on va partir sur l'idée que je l'ai plutôt à... Je me souvenais pas de ça comme vestige. Voilà, ça me fait récupérer quelques âmes. Enfin, quelques âmes. Quelques umbra. Non, vigueur. C'est de la vigueur. Le con, il m'a rien donné, le con. Ah, tu prends pour lui, hein, c'est cadeau. Ton pote m'a rien donné, douille. Voilà, ah, j'étais obligé de le buter. J'ai failli faire une bêtise. Mort garantie. Voilà. Ah mais non, mais non, mais non, mais non. Mon petit Roger, reste avec les gens de ta classe. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Voilà. Mais qu'il est con. Je voulais pas sa masse, moi. Est-ce que je voulais, moi, c'était le petit objet, là, pour pouvoir level up. Sa masse, il peut se la mettre là où je pense. Putain, mais le con. Mais le con, le con, le con, le con. Obligé de me venger sur les squelettes là, sur les zombies. Juste parce que je veux pas les tuer particulièrement, mais parce que. Ah, je suis énervé. Bon, ok, ça me fait des points, mais alors. Je crois que j'ai un notif Discord. Non mais. Sérieusement. Que je me demandais, c'était 4 petits fragments. Enfin, petits fragments, façon de parler. Histoire de pouvoir bah, tout simplement commencer à level up mon arme. Alors, l'XP est un bonus, ma foi, fort agréable, hein, on va pas se mentir, hein, mais bon, il n'est pas l'objectif premier de mon
de mon passage ici. Ah, magnifique. Oh putain, je l'ai explosé le mec. Bon, ok. J'ai essayé un truc, ça a rien donné, c'était un peu nul. The labo. Ma faute, my bad. Oh putain, il m'a défoncé là le mec. Deux fois, hein, deux fois il me donne pas ce que je veux. J'ai oublié de me venger sur ce pauvre mec qui m'a rien fait. Franchement, c'est pas sympa pour lui quoi. Il aurait bien peut-être voulu continuer à surveiller en me tournant le dos pendant des heures. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, une rune. Le mec blasé quoi. Bon, mon idée de farmer le... La zone était quelque peu foireuse. Je sais plus du tout combien il me faut pour évoluer une carac. Dans les 5000, je dirais. Si c'est dans les 5000, ça va, je suis pas loin. Toi. Hop. Je vais faire un petit close your fucking gob. Bon. Je sais qu'il y a encore quelques zombies dans le coin. On fait copain copain avec. Ah, donc il m'en fallait encore pas mal d'âmes en fait. Ah bah voilà, je peux évoluer. Au moins que le fait de vouloir avoir essayé de farmer les petites pièces inutiles, soyons honnêtes, inutiles. Me rapporte au moins de quoi me faire mon level. Alors, je dis inutile, non pas parce que c'est réellement inutile, mais parce que mon idée est foireuse. Tout simplement. À 27. Ah putain, je pensais que j'étais à 28. On va retenter une dernière fois. S'il m'en lâche un, je recommence. S'il m'en lâche pas, tant pis, je me barre. Bon, après tout, c'est pas non plus vital. Techniquement, si j'arrive à bien farmer, à bien réussir mes contres, on émet un doute là-dessus, je devrais pouvoir m'en sortir.
Meurs. En atroce souffrance. Pas beau. Je me demande quand même s'il n'y a pas un chemin que j'ai pas. Ah mais non, là-haut, je vois ce que c'est. D'accord. Ah, je t'ai tué sans que tu me touches. Ça mérite bien une petite récompense. Ah, il y a une bonne récompense parce que t'es un méchant monstre. Ah si, il donne une récompense, j'ai parlé trop vite. Tu m'as donné un skaev. Mec, je t'ai pas demandé des skaev, moi. Qu'est-ce qu'un skaev? Augmente les dégâts de l'équilibre. Tes dégâts d'équilibre, tu te les carres là où je pense. Ah, en vrai, si, c'est pratique, mais bon. C'est pas ce que je vise. Alors le but là ça va être juste de récupérer un peu d'âme, on va essayer de passer le niveau 29. Alors, on va essayer d'atteindre le 30 en... Oh merde. En oh merde. Ouh. Deux pour le prix d'un, emballer c'est pesé. Et en plus il me lâche un truc. C'est un peu de la merde ce qui m'a lâché, mais bon, hey, on va pas dire non. Hein. Sans dégâts. Et il m'a lâché un truc en plus. Eh, qui sait? Toujours pas ce que je veux, hein. Les mecs, un jour vous apprendrez ce que je veux. C'est des putains de quoi évoluer mon arme. Ouais. Il y a eu du sang, hein, là, jusque là. Ok. Seul avantage, comme je dis, hein, c'est que bah, j'ai gagné mes 2400 âmes, là, en fin de vigueur. C'est mieux que rien, il m'en faut à peu près 6000 pour level up, donc c'est mieux que rien. Hein, on va se faire son petit level 29 de vigueur, en fin de vitalité. J'appelle ça vigueur, mais c'est vitalité. Et voilà. Et voilà, certes, on aura préféré, on aurait préféré avoir 4 âmes, enfin 4 petits morceaux pour passer son arme en plus 7. Mais bon, si on peut encaisser 2 coups d'épée de plus avant de crever, c'est bien aussi. Ne faisons pas notre petit difficile, hein, j'ai envie de dire. Si en plus je peux récupérer voilà. Non, ils me lootent rien. Ok. Ils sont méchants, ils sont pas beaux, ils puent du slip, c'est des zombies.
Ah merde, je me suis un peu trop énervé sur le mec qui est mort en une attaque. Ah, je l'avais pas vu lui. C'est lui qui m'attaque par derrière d'habitude. Désolé, j'ai mis un coup de hache à côté, je m'en veux énormément. Je ne t'ai pas respecté, la prochaine fois je te défoncerai en une claque. Hop là. Un petit tour Bilal de la hache. Non? Ok. Comment ? Non mais oh. Salut Lucas, comment va? J'ai failli me faire éjecter de ma plateforme par un salaud. Quel objet? Mais quel hasard! Non, c'était pas ça que je voulais dire. Je n'irai pas à ce message, Lucas, sinon je t'insulterai d'infâme bâtard d'être en vacances. Et franchement, j'oserais pas le faire. Ouais, ça va, Imhotep, hein, je... Bah, je suis pas en vacances, hein, étrangement. Ah, bah, c'est le week-end, donc ça va, je sais que... ce week-end, là, ce soir, c'est JDR chez Groob. Dimanche, c'est JDR dans un bar avec l'association. Donc ça va. Ouais, peut-être que je me soigne, moi, au lieu de crever comme un con. Il veut pas venir, le dernier? J'ai plus trop de slip pour lui. Ah bah, il est déjà mort, en fait. Oh, le con. J'ai bien trouvé mon fumier de la semaine. Ah? Et alors, ça fait du bel engrais. Hop là. Alors attends, il y avait un objet là à ramasser. Tiens, moi je te file un petit fragment parce que je suis sympa comme monstre. Mais je m'en fous, moi j'ai un autre fragment que je voulais. Oui, j'ai un peu la haine parce que le monstre qui doit me donner les fragments pour évoluer ma hache, il veut pas. Il veut pas que j'ai une hache hachement bien. Ne pas taper dans le raisin tout le temps, parce que sinon j'aurais plus faim pour tout à l'heure, pour la pizza. Et c'est important de garder de la place pour la pizza avant le JDR. Ah, c'est bien ce qui me semblait, je vous avais pas tué, vous deux, hein. Fait tellement bien le mort que j'ai eu un doute. Ah putain, j'avais pas vu que là aussi c'était des citrouilles au lieu des lanternes classiques.
J'ai de la vie. La vie, c'est bien. Les étudiants dont les chambres sera piquées. Ah, bah, ils reçoivent une compensation. Oh, allez, au hasard, 20 balles? Tu sais, le mec qui vise vraiment bas en mode humiliation totale parce que 20 balles, honnêtement, c'est. Super, tu te fais foutre à la porte de chez toi et t'as 20 balles. Yes, tu payes même pas une nuit d'hôtel. On va réessayer le boss à l'épée sacrée. On va se faire fumer encore. 100 balles et 2 places pour les JO? J'ai envie de dire, en vendant les places de JO en fonction de l'épreuve que c'est, ils ont peut-être de quoi se faire plus de thunes qu'en ayant la chambre, qu'en payant la chambre. Que le coût de la chambre, j'ai envie de dire. Mais c'est. Non, c'est même pas 100 balles par jour, quoi. C'est juste 100 balles tout court, en plus. Donc, ouais, c'est. Parce que ça serait 100 balles par jour où ils n'ont pas leur chambre. Ça commencerait à être rentable. Mais là, ouais, non, même pas en fait. Parce qu'ils vont perdre leur chambre plus de 2 jours, en théorie. Alors oui, c'était genre 100 balles tout court, c'était pas 100 balles par jour. Non, parce que je les vois pas être devenus aussi généreux, l'État, hein. Il t'emmerde, mais pas à ce point. Excuse-moi, j'ai mal tué tes chiens. M'en veux un peu. T'as vu ce que tu viens de m'offrir, non? Je m'en veux plus. Ah oui, c'est ta sœur qui joue avec un truc. Mon pépère. Oh oui, ils s'entretuent, c'est bien. Ah ah! Moi aussi, je sais jouer de la hache, hein. Comme ça, pour faire comme ça. On part comme ça. On part, on part, on part, on part, on part, on part. On part? Ou pas, ou pas, ou pas, c'est moi, le marsupilami. Ou pas, c'est moi. Je suis pathétique. Je suis pathétique, mais je me fais marrer. Ah, j'ai réussi une parade. Non, mais là, on va apprendre à parer, en fait. Je suis trop tôt dans ma parade. Non, mais là, tu triches. Je veux apprendre à te parer. Tu m'invoques un double. C'est de la triche, monsieur. De la triche. J'ai réussi une parade. C'est pathétique. Non, les lanternes, là, je m'en fous, les jacou-lanternes. Ah, entretuez-vous si vous voulez, ça, si ça vous amuse, allez-y, coussi-coussi.
coucou de Niu-Niu. Vous êtes mignon, gousi gousi. Parce que ça me sert à quoi d'avoir plus d'endurance si derrière je suis pas capable, enfin plus de vie, si derrière je suis pas capable de le démonter correctement. Et sinon, j'ai commencé Return of Moria. C'est pas un jeu en pixel art. Ça me dit quelque chose de nom. Mais je suis plus sûr de voir le bon jeu. Merde, c'était pas ça que je voulais faire. Ouais, c'est bon. Encore ce qu'il faut pour le faire. Quoi, vous avez déjà lâché les deux autres? Ah. Voilà, moi j'ai dit je prends le survivant. Je l'ai fait. Voilà. Petit symbole sacré. Petit symbole sacré de Nurgle. Non, c'est pas ça? Oups. Et c'est parti pour apprendre à parer. Percival. Ah mais... Ah mais je suis con! Je suis trop con, hein, mes parades, j'ai essayé de les faire en appuyant à la fois sur CTRL et sur MAJ, enfin et sur SHIFT. Forcément, le jeu, il m'a fait, bah non, tu pars pas, tu sors ta lampe. L'ennemi, il devait rien comprendre, en mode, attention, je t'attaque. Regarde ma lampe. Ah. Non, je... Ah, retourne dans tout Moria. Ah oui, le jeu de survie où tu construis ta truc dans la Moria. Oui, je confondais. Tu vois, je t'avais dit, ça me disait quelque chose comme nom, et voilà. Détail marrant, ton nain chante en minant. C'est normal. C'est la vie de chanter en minant. Allez, on speedrun jusqu'à basse. Est-ce que si on essaye d'apprendre à parer? Oh yeah! Tiens, une âme. Bon, après, il faudrait peut-être que j'aille level up chez un autre joueur. Allez hop, désolé messieurs les chiens, j'en ai rien à foutre de vous. Allez hop, je t'ignore aussi. Allez hop, on vous... Hé, hey, j'ai dit je cours. Pourquoi il m'a pas fait courir mon perso? Non mais, et des fois mon perso il arrête de courir alors que je lui dis cours. Le mec, il commence le coup par là, il le finit par là. Paye ta logique. Ah, j'ai vu un objet. Excuse-moi, Perceval. Enfin, Percival. Il y a un objet. Oh, il y a même un coffre. Ah, je peux pas l'avoir.
Non, on a essayé de donner le gros coup en même temps, mais voilà. Et à côté de ça, les développeurs de Ark ont sorti leur jeu en version ES5 à un prix hyper compétitif. Non. Ouais, enfin, Ark 2, quoi, ça m'intéresse pas plus que ça. En vrai, hein, c'est déjà Ark 1, j'y ai à peine joué, Atlas, j'y ai à peine joué au final. Parce que c'est des jeux... En fait, les défauts de ces jeux-là, c'est que ça te demande des ressources, mais c'est pas une petite quantité que ça te demande de ressources. C'est une grosse quantité de ressources pour essayer de faire quoi que ce soit. Donc en fait, c'est du farm bête et méchant, quoi. Allez, il te faut 2000 de bois pour pouvoir créer ta petite lance. 2000 ? Et la lance, elle dure combien de temps ? 2 coups. Ah ouais, rentable. Donc c'est ça un peu qui m'énerve dans Ark. Bon, j'exagère un peu les données, mais... Mais bon, t'es obligé de farmer comme un porc, et voilà. Même pas, Ark 1.5. Ah oui, même pas le 2. Oh. Je pensais qu'ils avaient enfin sorti le 2 qu'ils avaient teasé. Voilà, comme ça, c'est mort. Combien les early access d'après toi? Oh, bah 100 balles. Tu sais, ils doivent se dire, il y a des cons qui vont être prêts à payer, donc... pourquoi se gêner? Mais j'ai pas trop bien... Enfin, j'ai pas trop mal réussi le boss, là. Malgré mes conneries. Ah bah ils l'ont fait tomber. Alors qui survivra entre les deux? Ah oui bah... C'était pas trop compliqué hein, quand j'ai vu là-bas. 40 boules. Et 80 quand il sortira. Je mettrai pas ce prix-là dans le jeu. Mais c'est mon avis. Comme j'ai dit, hein, je suis pas fan de Ark. Après, pour les fans, ouais, allez-y. Hein. Prenez-le à 40 balles, hein, ça sera toujours moins cher que... Il fait quoi? Ah bah je l'ai eu! Oh bah je l'ai eu ce con! Sachant que rien n'est sécurisé, un joueur peut trouver les codes après 2 heures. Ah oui. Bon après ça, hein, j'ai envie de dire. On devrait peut-être... Là comme ça au hasard, sachant que j'ai plus de vie, j'aurais peut-être dû me soigner direct quoi. Est-ce que... Ouais, je pourrais toujours revenir là. Merci pour le GG. Même si j'ai l'impression que c'est plus... comment dire... Un coup de bol. Enfin, à un moment, je me suis dit... Tiens, je commence à lui faire bien mal. Bon, allez. Je suis pas encore passé en deuxième phase. J'essaye le tout pour le tout. Bah, j'ai bien fait. Déjà, je lui ai niqué ses pouvoirs magiques assez rapidement. Et ça, c'était une bonne idée.
Même si j'ai pris un coup ou deux, c'était une très bonne idée. Mais j'ai bien fait aussi de me dire, allez, on tente. Pont du repos astral. Putain. Eh, hey, je vois très bien où je suis du coup. Non, un coup de hache. Mais ma hache s'appelle chance, ça passe? Attends, pour sauter, c'est comment? C'est F. On va tenter, au pire. Ah, sans ton protecteur, tu fais plus le malin, hein? J'ai toujours le petit doute que je vais me louper. Voilà, j'ai bien senti que je ne courais pas. Hey, j'ai peut-être... Je viens de penser à un truc court, mais j'ai peut-être récupéré ce qu'il fallait pour pouvoir level up ma hache. Ah, c'est tellement bien de massacrer ces gens. Ça soulage. Après s'être fait souiller je ne sais pas combien de fois par le boss. Qui m'a même pas rapporté tant que ça au final. C'est vrai que, alors, en plus ce boss c'était vraiment une arnaque. Hein. Il m'a même pas ramené... De quoi faire deux évolutions, juste une seule. Bon, après, il m'a ouvert un nouveau chemin, donc...
Je suis comme un con là, je suis en train de me dire, attends, c'est par où pour repasser pour aller vers la. C'est par là, hein. Voilà. J'ai loupé l'escalier. J'étais un peu trop pressé. On va pas faire le con non plus d'aller dans la mauvaise direction. Enfin, et se viander, quoi. Ah non, j'ai rien trouvé pour améliorer. You look tired, friend. Il y avait du matos à vendre. Oh, j'ai deux fois la masse. Voilà, ça c'est fait. Voilà, on vend les doublons. Ah, j'avais pas eu ça, d'accord. Ok, il y avait des trucs que j'avais pas encore eu. On va voir pour améliorer la hache, parce que bah, c'est quand même un peu mon arme principale, c'est toujours bien d'en avoir une qui fait mal. Améliorer la hache. Ce mec m'a même pas filé ce qu'il fallait pour améliorer mon arme, il m'a filé ce qu'il fallait pour améliorer les armes de jusqu'au niveau 5. C'est un peu pathétique! Pour manier la masse, il me faut de la dextérité. Eh bah putain. Ouais, si, il y a ça que je peux améliorer. Ma radiance, même si je ne pense pas à utiliser en combat. Mais bon, ça coûte cher, quoi, pour ce que c'est. Et en acheter. Très précis ce que tu viens de me dire, you again. Hein. C'est waouh! Ok. Il me faut 6600. Ah si, j'ai des crânes. Ouais, mais j'en ai pas assez. J'allais dire, ça aurait été beau que j'ai assez pour... pour évoluer. Ouais, j'en ai trois, hein. Ah, merci de me proposer la tenue du squelette, hein. La tenue du squelette, à combien? Alors là, la main et les jambes, ça fait 700, la tête, 1100, 1600. Il me faut 1600 yeux. Je rappelle que les yeux, je les gagne 3 par 3, hein. Faites le calcul du nombre de fois que je vais devoir m'amuser avec les lanternes. Je viendrai en récupérer plus tard.
This land is to offer you. Also, they are already conflict. Ouais, toi, t'as rien d'intéressant, hein. Ah, si, t'as des nouvelles armes. Ah, ils ont des nouveaux trucs. Il a la tenue de l'éclaireur qu'il avait pas avant. Donc, bah, du coup, avec l'épée d'Abaros. Ah, ah, ils ont des nouveaux objets parce que j'ai réussi à faire un tour. Bon à savoir. Alors, est-ce que c'est lié à une mage de Lord of the Fallen ou est-ce que c'est lié au fait que j'ai avancé dans l'histoire? Non, j'ai pas l'impression que lui ça soit nouveau. Ciseaux antidiluviens. Ah, mais j'ai pas. Il est gentil, lui, il me propose des ciseaux là pour améliorer mon arme. J'ai pas aussi. Acheter? Judgment. J'ai l'impression qu'il y a une armure de plus, mais celle du Saint Chevalier. J'ai l'impression qu'il y a l'armure du Saint Chevalier en plus. Mais je pourrais être sûr à 100%. Our Immaculate Lady will bring redemption. Améliorer le personnage. J'ai mes 30 en vigueur! En vrai de vrai, ça fait plaisir. Il me faut. Ouais, il me faut pas grand chose, hein. Un petit tour à me promener dans le marais. Et c'est bon. Qu'est-ce que j'augmente en premier? La radiance? Ah non, l'endurance, soyons intelligents. Il va falloir que j'améliore l'endurance. Ah bah je suis con. J'avais dit on va partir un peu en multijoueur. Donc on va partir en multijoueur. Je sais pas si ça rapporte des trucs. J'espère qu'il va m'amener sur un boss ce mec. Je sais qu'il veut aller. Le but étant juste de farmer les âmes. Point. Parce que attends, j'avais plus de doublons hein, dans mon inventaire, on va regarder mais. Ah, elle est sympa comme effet, rendre la vie avec quand tu tues. Bon après, bon, je peux pas la manier, mais l'idée de gagner de la vie en se soignant, c'est sympa. J'en profite hein, pour regarder tout ce que je possède. Voir s'il n'y a pas des doublons que j'aurais oublié de voir, tout simplement. Et il semblerait que non. On va quitter cette atmosphère lugubre. Est-ce que si je me téléporte au marais, ça garde mon truc bidule machin chouette. C'est très précis. Le fait que je veux du multi. Ouais, ça me le garde, c'est parfait. Il arrive là. Je sais pas que ça va foutre. Ah tiens.
Ah bah oui, bah t'arrives pile au moment où je décide d'aller farmer un peu le truc au-dessus. Ah bah merci. Je sais plus comment on peut faire pour monter son multiplicateur d'XP. Faudrait que je regarde dans les notes. Tiens, ça me fait penser. Tiens, il y a un objet qui traîne là. Ok, j'ai gagné des jambes. On va pas les avoir eues. Je peux regarder s'il n'y avait pas de notif Discord. Bah voilà! Je sais tes matchs! Je fais même pas ça pour essayer d'avoir des petits objets là, c'est vraiment juste pour l'XP. Pour pouvoir commencer à dire je vais vers mes 30 de vigueur! Ah, ça je l'ai déjà vu le masque. Vous n'êtes pas censé être deux. Si vous êtes censé être deux. Il est où ton pote? T'as abandonné ton pote, mec? Alors attends, est-ce que les petits squelettes, enfin zombies là qu'il y a, vont suffire ou pas? Parfait, ils m'ont suffi. Je suis plus puissant et plus rapide. C'est mine de rien. Augmenter mon endurance, ça augmente mon poids que je peux porter. Donc je suis de plus en plus rapide. Bon, avant que ça soit réellement remarquable, je pense qu'il va y avoir... Putain, mais je me promènerai en slip. Je pense que j'aurai l'impression de pouvoir gambader partout comme un taré. Ça veut pas m'invoquer, ça cherche toujours ou... Ça cherche toujours, ok. Voyager vers un vestige, vers la salle des cloches, parce que de souvenir, il y a tout un chemin qui mène à un autre boss qui faut que je fasse. Ah bah oui, il y avait aussi ce boss là, le boss des cloches du coup à faire. Donc il y avait le viking, le démon, le mec à l'épée et le boss des cloches. J'ai fait celui à l'épée, il reste plus que 3 dans ceux que je connais, dans les chemins que je connais. Bon, après, hein, ça reste toujours dans les chemins que... Allez, genre, ils étaient déjà bien chiants à affronter, là, maintenant, en plus... Oh, putain, mais... Ils ont cassé la porte? On a cassé la porte? Et merde! Ah mais là je me fais baiser à chaque fois hein. Ah mais attends!
Les mecs, ils sont 3 ou 4 à devoir me défoncer. Et en plus, ils ont une invulnérabilité de base. Forcément que je me fais souiller. Par contre, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Ici. Putain, c'est moi qui suis trop con en fait. Non mais là je me fais souiller hein. Ah il est toujours là ce piège, mais alors comment récupérer l'objet? Mais ça m'arrange. Ok. Ok. C'est... Du coup, je vais pas dire 10 000 fois plus simple, mais c'est plus simple. Parce que du coup, c'est juste un petit truc à péter, alors qu'avant, c'était lié à un mob. Ah, le temps de merde qu'il fait dans ma ville. Je sais pas chez vous, mais... J'avais quelques petits trucs à faire en ville, j'y suis allé quand il faisait encore beau. Ça, c'est cool. Ah ouais, non mais là aussi, Non mais... Ah putain, forcément, je peux pas me... Meurs, infâme pourriture communiste. Ta-ta-ta. On va pas rester là. Non mais putain, le jeu! Mmh.
La caméra de merde! Le mec, je me suis approché du bord pour tuer son pote, il a pu me mettre un carreau, que sinon il aurait pas pu me voir. Et comme je le voyais pas avec ma caméra, je me suis dit, oh c'est bon! Eh ben mon cul! Mon cul et le fait de passer dans l'ombre pénombre là qui m'a renvoyé je ne sais pas combien de sacs à f... qui m'a empêché de bien... de bien les défoncer quoi. Ah! Tain! Ah, il s'est caché là. Non, non, non. Oui, oui, bah ouais. Va t'énerver dans le vide, mon loulou. Ouais, t'es tombé comme un couillon de... Quand vous êtes deux, vous ? Eh, hey, hein, technique de lâche, voilà. Salut Albert, désolé. Bonjour monsieur Cat. Ouf, caresse une peluche de chat blanc, car je suis allergique au vrai. Ah, c'est pas de bol. Là. J'ai une arme anti-Alberic chez moi. Le dragon ne pourra pas venir piller mes figurines, à défaut d'avoir de l'or. Comment ça va, Alberic? Voilà. Eh, monsieur le croyant, serait de bon temps d'éviter d'essayer de nous tuer. Tu sais qu'il existe des médocs pour... Ouais. Mais toi, t'es pas un faible qui prend des médocs. Tu me bouges le chemin. Ah, il attendait la mort, hein. Je suis désolé. Est-ce que... Oui. Oui, totalement, tant pis pour... Et c'est quoi ça? C'est pas un parterre de fleurs? J'adore les qui me disent « Vous ne pouvez poser une fleur que sur un parterre de fleurs. » Et là où je suis, c'est quoi? C'est pas des fleurs. Ouais, non, mais ouais, j'étais en train de chercher un truc. C'est quoi ce... C'était quoi ce truc ?
C'est à peu près comme toi, week-end qui amène sur une semaine qui sera soft. Ouais, je sais pas si ma semaine sera soft en vrai, moi. Ah, je m'en fous, j'ai le truc de reste juste à côté. Bande de couillons. Oh bah, et si vous me laissez les prendre avant qu'il apparaisse. Anneau de muscle. Attends, l'anneau de muscle, il fait quoi? Anneau de muscle, augmente la force. J'ai moins de vie, mais je suis musculeux. Ouais, je sais. Ça sert à rien de faire ça, mais bon. Enfin, je les touchote, hein. De là à me dire que je suis musculeux. Ah ah, je t'ai spotted. J'adore la caméra qui te fait te dire non, mais tu regardes finalement droit devant toi, mais pas sur le monstre que tu veux lock. Meurs. Et j'aime quand cela se passe comme ça. Je vais essayer de voir s'il n'y en a pas un plus proche à faire. Au pire, je reviendrai le faire ici. Yes! Deux grands! Yes! Il m'en faut quatre! C'est parfait! Sans le mec qui connaît un peu et qui sait qu'il va y avoir des ennemis et qui se dit bah attends, je peux peut-être y aller à la magie. Oh, attends. Désolé, je t'ai lu, j'aurais peut-être pas dû. Ça m'a un peu... déconcentré. Meurs, saloperie! Je pense partager une de mes peurs ici, ton Discord. Save ton Discord. Attends. Save mon Discord. Comment ça? Mon Discord est innocent et pur comme l'enfant qui vient de naître en étant mis au monde par Slaanesh et Nurgle. Ah oui!
Ouais, mais non, cette peur-là, malheureusement, je pense que beaucoup d'hommes l'ont. Je te comprends parfaitement. Mon Dieu, quelle peur horrible et ignoble. Ouh là là. On la met juste là, comme ça, au hasard. Juste à côté du boss. Toi aussi, ça te terrifie? Ah bah totalement. Totalement. J'ai même envie de dire que j'ai peur aussi des jolies filles. Ouh là 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 là. Hein, quoi? Comment ça? C'est du foutage de gueule? Non. Nous, oser faire ça? Non. Excusez-moi, je fais de la merde! Ah ouais, non mais j'ai fait de la merde, hein! Excusez-moi, je passe! Ah bah ça a pas... Non, ça a pas voulu. Même comme ça, ça m'a dit fuck. Ouais, je me suis permis de te mettre qu'une seule et unique claque, hein, pour le moment. What? Ah oui, non mais c'est pété ton truc là, mon loulou. Non mais hey, si on veut se la jouer en mode pété, tu sembles pas vouloir avancer. Le mec, il est bugué! Ah, il va peut-être se débugger là, du coup. Non? Mais mec, tu sais, moi, je suis lâche, hein! J'ai du sang de Skaven en moi! Ah là, le mec, il est goldé, hein, il est goldé pour moi. Ah merde. Ah, c'est moi qui suis goldé pour lui. Non mais...
Il m'a oublié. Non, non, non. Ah, mais le jeu, lock-le-moi. Oui, il faut que je me la joue lâche. Hein. Salut Ronin, comment ça va? Tu viens voir le lâche? Chier! Il m'a fallu que deux tentatives pour te battre, boss de... Oh, le fou, tout de suite. À ce qui paraît, je vais un peu mieux. Hé hey! Tu triches! Tricheur! Tricheur, tu m'as pas autorisé à avoir mon repos! Tricheur! Quelques galères avec mon PC. Ouais, j'ai cru dire ça, que t'avais eu des soucis avec ton PC il y a pas si longtemps que ça. Patron! On va les retombe de toute sa... Ronin. Oula! Oula, un dragon face à un nain. Comment dire, le nain, il a des chances là de survie ou... Ça s'est passé comment? Rends-moi mes âmes! Je les ai durement volées! J'ai des chances, mais seulement parce que je suis le patron. Et je suis avec... Aïe! Quand ça veut, hein. Voilà. On a tué. Eh, mais quand même, aujourd'hui, c'est pas mal. Alors que je comptais faire 0 boss, j'en ai fait 2. Mais je pensais qu'il y en avait plus, c'est pour ça que j'ai essayé de me taper. Et aussi parce que je suis con. Comment vous allez, gens? Je suis en week-end, ça va. J'ai des idées totalement teubées pour ce soir. Vaut mieux pas que j'ai assez de points de chaîne pour les mettre en place. sinon, ce week-end. Ah oui, j'ai du Brain Soda aussi, tiens, qui va être prévu ce week-end. Yes! Je vais avoir ma hache de niveau supérieur! Je vais avoir ma hache de niveau supérieur! Sinon, tout va bien. Est-ce que j'ai les sous pour la hache? Je sais pas. Depuis la Moria, ça va. Non mais c'est bien, j'ai deux, j'ai une personne qui a un nain, j'ai une personne qui joue au nain, et moi qui me promène avec une hache, donc ça va, on est dans le thème, tous ensemble, où je vais, je ne sais pas, ah si, ça y est, je crois savoir où je vais. J'aurais bien aimé que le mec avec son chapeau bizarre, il me dégage du chemin. What? Genre il me one shot. Et puis genre en plus il est même...
Ah ah! Dès que je peux, je file à la Moria moi aussi. Ah oui. Je sais pas ce qu'il vaut, en vrai, ce jeu. Yes! De quoi évoluer moi, ma hache? Voilà, le chemin raccourci est débloqué. Salut, Groob! Ah, mais dites donc, il y a du monde. Vous avez vu de la lumière? Vous êtes dit, tiens, on va venir voir ce qui s'y passe. Ah, excuse-moi, je t'avais pas vu, sale monstre. Voilà, monstre, monstre, monstre. Fen, en adoration sur le jeu, donc je dirais qu'il doit être bon. De la lumière dans la folie? Oui? Eh, c'est pas parce qu'on est fou qu'on n'allume pas la lumière. Regarde, eh, sans ma lumière, des fois, je peux pas passer à certains endroits. Et si le fou qui me tient la lumière éteint la lumière, bah je suis baisé. Hein? Car oui, il y a vraiment des endroits où ta lanterne a une importance pour pouvoir débloquer un chemin. J'avais pas laissé traîner des objets. Bah chez toi la lumière est éteinte. Je te permets pas. Tiens, j'entretiens le feu chez moi. voyager. Puis regarde. Ouh, ça parle mal. Non. Oh, tu vois, la lumière, elle est allumée. Et si tu veux, je te fais double lumière. Double lumière. Si tu veux, je le bats, Naruto. Non, ça va. À ce qu'il paraît, c'est son intelligence, Ressa. Enfin, c'est son intelligence. Je lis moi intelligence, je dis intelligence. C'est son anniversaire d'ici peu, ou c'est passé d'ici peu. À voir quand est-ce que c'était, parce que je ne le sais pas. Donc on va le laisser le droit de dire des méchancetés sur moi. Comme quoi, j'ai pas la lumière, ce qui est totalement faux. Je viens de l'allumer deux fois. H. Je veux ma hache. T'es en retard, c'était lundi, t'es en retard. Attends, groupe, deux secondes, je reviens. T'as perdu? Je vois pas pourquoi. Comment dire? Ce soir, t'as un live, c'est ça? Ouais, c'est bon. J'ai l'arme anti-MJ. Ah, je suis vert, ils m'ont pas filé assez. C'est combien un sub déjà? Je sais plus. Offrir un abonnement, tiens, on va tester. Offrir un abonnement. Ah, il n'y a plus les promos. Oh, il n'y a plus les promos, c'est triste. €4 le sub. C'est con, hein. Est-ce que j'ai reçu ma paye? Vérifions cela. La 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 la. Alors le soudoiement AMJ, ça commence à partir de combien déjà? À ce tarif, là je fais sauter la... Ah, j'ai pas eu ma paye. Voilà. C'est pas un souci. C'est pas un souci, je peux être con si j'ai envie. Il va falloir que quand même je me calme dans les conneries, parce que mine de rien, ça a bien diminué mon compte. Bon, même si j'ai des sous placés à droite à gauche, mais...
Il faut que je fasse gaffe quand même, hein, parce que mine de rien, ça a bien descendu malgré les dettes que de certains amis ont envers moi. J'ai deux fois le bâton. J'ai deux fois le bâton! Faut que j'en vende un. Ça c'est fait. On a fait le tour. Oui, si. C'était pas ça que je voulais faire, mais si, ça marche aussi. Ça descend plus vite que ça monte. Ah, d'un autre côté, ça a bien monté au moment du décès dans la famille, donc c'est logique que ça redescende. J'ai avancé des sous à des amis pour qu'ils ouvrent leur boutique. Forcément, du coup, il y a une petite somme, mais ils me l'ont remis en non-lu alors que j'ai regardé tout à l'heure. Ok, je comprends pas. Je comprends plus ce jeu qui me met des trucs inconnus alors que j'ai regardé. Donc voilà, j'ai ça, j'ai deux assurances vie, je crois. Donc j'ai des sous de côté, mais je vis avec deux comptes principalement, les autres je les oublie. Je suis en mode, ah, c'est vrai, j'ai ça, oups. Qu'est-ce que je voulais faire? Ah bah, ça m'a retiré ça, ok. Ah bah oui, je suis allé battre un boss, c'est pour ça. Non, puis ce qui fait mal là ce mois-ci, c'est que j'ai eu les impôts. Ah, les petits impôts fonciers là. Impôts fonciers, réajustement des impôts de la. Par rapport à l'année dernière et tout ça. Et EDF qui pose tombe en même temps, tout le même jour. La belle facture. Et bien entendu, j'aurai sûrement pas mon salaire avant. Ben, du coup, à un autre moment. Ah oui. Oui, bah oui, on le savait que Sainix était un personnage doublement maudit. Il nous a dit qu'il était sourd et je sais plus quoi l'autre. Il nous a parlé de sa deuxième. Tarif mini, plus 7. Bah, moi, c'est pour te dire, je suis passé de 1006 à 1009. Ouais. Ouais, non, ils ont fait mal cette année. Puis ça va pas aller en diminuant, les impôts fonciers, malheureusement. Ah non, parce que c'est sympa de dire. Eh, on vous fait sauter la taxe d'habitation. Par contre, les fonciers, vous payez plus cher. Donc une taxe que tout le monde payait, parce que c'est la taxe d'habitation, et que tout le monde habite quelque part, sauf les sans-abri, a été retirée pour, au final, pas être remplacée. Donc, bah, démerde-toi pour refaire quelque chose. Et c'est quoi ces jets de lumière là? Ah non mais... Passer de 1006 à 1009, ça m'a bien fait mal. J'ai vu une des taxes, elle m'a fait marrer. La taxe intercommunalité, là je sais plus quoi. Elle était à 0,2 l'année dernière. Cette année elle est passée à 2,1. C'est-à-dire que je suis passé de genre 3 balles à 75 balles. Pour cette partie-là de la taxe, j'ai fait waouh! Ils s'en fait plaisir, les enfoirés! Ouais, bon. Ouais, hein, voilà. J'ai des sous qui arrivent à côté. Il faut juste que je me calme sur la dépense manga, mais ça devrait arriver. En fait, il faut que je me recalme sur toutes mes dépenses et ça devrait être bon. Hein. Je devrais recommencer à faire des économies. Où c'est que je voulais aller? Attends, là, ça m'aime nous. Si, je vois, ça m'amène là où j'ai battu le boss. Le hameau. Il faudrait que je descende pour aller vers le démon. Et que j'essaye de battre le démon. Si je vais au moulin avant, ça me permet de passer... pour essayer d'aller vers le boss tracard. Eh, il n'y a plus que deux boss que je connais, là, actuellement. On va aller vers la vigie et on va essayer de monter. Mais ouais, non, les impôts fonciers, ils font mal. Les mecs, ils ont fait, on vous fait sauter un impôt. Ouais, super. En fait, l'impôt, limite, l'impôt, la taxe d'habitation, je la paye dans le foncier maintenant. Ouais, je vois pas de différence dans mon compte en banque. Ah, bah voilà, ça c'est fait. Efficace et pas cher.
C'était censé faire quoi, monsieur? Ah non, mais là, si. Ah merde. Mais s'il y a l'autre tête de pique là, des hérissons qui se ramène, comment? Voilà. Compliqué, hein. Depuis quand il y a des clébards ici? C'est une zone interdite aux animaux. Pas vous, mais moi je trouve que ça pue hein, dans le coin. Déjà j'entends le bruit d'un bestiau. Eh hey. Si ça c'était pas beau. Yo, c'est Lennox. Un maquillage Halloween aujourd'hui? Eh non mon loulou, c'est ma tête habituelle pour te faire peur. Agrou grou. Ah non, d'accord. La gloire sanglante. Moulinex et tes chiens sont découpés. Yes! Yes, 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 yes. On est tous d'accord, c'est ma tête habituelle qui fait peur. Convalescence du croisé obscur. Mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est, ex? Votre santé remonte temporairement après avoir utilisé la sanguinaris. C'est pas dégueulasse, en vrai. En vrai de vrai, c'est pas dégueulasse. Ah, putain, il y a de l'immortalité... Vous sentez le mec qui se prévoit un truc en mode épique, en mode je vais le défoncer à distance via la magie parce que je suis un bourrin, et qui se retrouve en mode ah j'ai plus de sort. Magnifique, ça a servi à rien. Ah ah!
Allez? Come on? Non? Faible. Bon, ok. Autant pour moi. Vas-y, vas-y. Hey, respect, mec. Reste paix. Reste paix, mec. Paix. Ha. C'est qui, le patron? Ah ouais, j'ai loupé le backstab, c'était grandiose, mais eh, le combat, honnêtement, était magnifique dans la... dans le foutage de gueule mutuel. Ah, on était magnifique l'un et l'autre, hein. Saluing my soul with such a heretical burden, I cannot help but feel like this path only leads me, leads all of us. Further from Aureus's light, not closer to it. Exactor, there must be some other way. So you deem my guidance injudicious? No, I... And your soul of greater significance than the world entire. All other souls... Isaac, you exhibit an unfortunate tendency toward the past. I would be discontented if the hubris to which your brothers succumbed. Non, d'accord. Look to the damnatory skin carrier. For that is your true blood, not the umbral lamp. Ok, des petits souvenirs, ça c'est cool. Ah putain. Je comprends l'intérêt d'aller là-haut, mais je vais crever en le faisant. Yes! Yes! J'ai crevé, mais c'est pas grave. J'ai eu ce que je voulais. Il y avait le halo de sainteté sur le truc. Je savais ce que j'allais ramasser. Quitte à en crever, je m'en fous. Par contre, je vois pas l'intérêt de venir ici. En vrai. Je suppose qu'il doit y avoir un intérêt, mais... Ah, mais je suis con. Voyager vers la germe. Il est quelle heure? 18h20. 27, ça devrait le faire. Nya, tu peux me shooter. Alors, je m'en fous de vous, je veux juste aller voir un truc là-haut.
Ok, merci. Hey, salut, vous êtes super. Hop là, merci. Parfait. Ah, un ami. Ok. C'est pas urgent pour le moment. Tout 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 tout. Ah mais ils ont cru que j'allais me prendre le tonneau en mode bonjour c'est moi que v'là. Ça c'est pour enfin un très mauvais piège monsieur. Haha. Et je ne sais pas du tout où je vais, mais je m'en fous, j'y vais. Si, je crois savoir. Et ça a un intérêt. Car j'arrive là! Ma foi, c'était totalement calculé! Planqué derrière la caisse. C'est pas moi. Et là, ça c'était calculé. Qui l'a buté. J'ai eu l'impression qu'il s'est pris un coup de derrière, genre comme si son pote lui avait tiré dans le... Dans le cul, disons-le. Pa 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 pa. Ah les enfoirés. Petit Gremlins de mon cul. Je vois qu'il y a un objet, hein, on va pas se faire prier. Il y a des objets là aussi. Faut que j'avance, on va pas perdre de temps à... Ah oui, ils avaient 99% de chance de me faire shooter la gueule. Ah ah ! Je suis passé ! Et je vais le regretter! Putain, mais ça sent le piège gros comme une maison!
Bon, en tout cas, je suis passé. Ça me permet de me faire le raccourci. J'allais dire boss, mais non, il y a un monstre, donc c'est pas un boss. Ah, je me disais bien qu'il y avait une arnaque. Ah oui, hein, technique de lâche, en veux-tu, en voilà. Hein. Ah ah! Je peux pas me tirer dessus. Ah ah ah, je cours très vite. Ah ah. Pas vachement intéressant hein, ce qu'il m'a donné là. Pas vachement intéressant. Pas vachement français aussi ce que je viens de dire là. Ah ah! Ah, quelles magnifiques actions loupées! Très joli, mais très loupé. Ok. C'est quoi la violence de ce bestiau? C'est pas grave, il y avait un objet que j'avais repéré. On va voir ça comme ça, hein. C'est coup de bol, il y avait un objet que j'ai repéré, je vais pouvoir aller voir ça. Alors, attends. Je prends le temps de lire le message. Ah bah si elle accepte volontiers que j'aille noyer ces gamins. Quelle mère indigne. J'ai réussi à louper ça. Ah je suis beau. Il est quelle heure? 18h30. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Il y avait un truc que je voulais regarder. Voilà, les conseils. Je voulais voir un truc. Voilà, c'est ça. Non. Mmh.
Je trouve pas l'histoire du multiplicateur d'XP. Et bah tant pis. Alors, du coup, ouais, donc le multijoueur, c'est très pratique pour level up, en fait. Parce que tu te mets en mode multijoueur, tu vas ramener toute ta... toute la vigueur que tu récupères et les objets, donc c'est tout bénef. Tu n'utilises aucun de tes objets, tu t'en fous, et voilà. D'ailleurs, ça me fait penser à ça, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que je pourrais mettre à la place? Je sais pas. Je sais foutrement pas, en vrai. Je sais pas du tout où aller. Mais si je mignonne tout plein en rouge. Ça change. Allez, on va se promener en rouge. Ouais, je peux retourner vers là où je suis crevé. Y'a pas un deuxième à l'arbalétrier en théorie? Non, parce que là, c'est facile, hein, passer comme ça. Salle de saignement. Ah, je devais pas en avoir ça encore, ou très peu. Hey, on n'avait pas fait le chemin qui monte. Prenons-le. Allons-y, Alonso. Il y a une grosse cloche. Non mais, c'est quoi ces... ces esquives à la mort moelle nœud que ça fait? Je peux... Est-ce que... Non. Je vais dire, est-ce que je peux faire sonner la cloche? Mais non, du coup, j'ai eu ma réponse. Pas du tout ça que je voulais faire, mais bon. Et en continuant par l'autre chemin, on arrive là-haut. Ok. Alors, clairement, mon instinct de joueur me dit ça pue la merde à l'intérieur. Mon matin, Scaven me dit « Casse-toi !»
On vérifie quand même qu'il n'y ait pas d'autre chose, hein. Non, t'as rien vu, le mec. Ha ! Ché ! Tu peux pas me toucher si je suis pas dans le plan de l'Umbra. Dites-moi que c'est un superbe objet. C'est un superbe objet! Non, je déconne, c'est de la merde. C'est bien parce que le mec qui était caché, je l'ai vu du coup. Ah putain. Ah, l'embuscade, elle est bien ficelée, hein. Bah vous savez quoi, moi les bus de la Germanie, je les aime pas trop, donc je vais les laisser. Et maintenant, on va voir ceux qui ont la ref. Pas la ref. Les embuscades. Les embuscades, les meilleurs bus de la Germanie, voyons. Est-ce que je suis con? Oui! Jérôni! Il a pas sauté? Je suis obligé de me suicider parce que mon mec n'a pas sauté? Non mais sérieux quoi? Où va le monde? Je suis en train de réfléchir. Le JDR c'est à 21h. Est-ce que je fais pas une pause pour pouvoir être frais et dispo pour dire des bêtises pour le JDR? Ouais, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là, on a fait une bonne session quand même. Deux boss de battu, une jolie vue sur la main, mais en mode intérieur de la main, avec toutes les veines qui pourraient être symbolisées par ce magma. C'est magnifique! Regardez-moi ça! Allez hop! Ça c'est fait. Je vais vous couper le son du jeu, parce que sinon vous avez fait exploser les oreilles. Du coup, je sais pas quand est-ce que je relive. Je sais pas, parce que là ce soir je suis chez Groob pour du JDR, donc n'hésitez pas à venir. Samedi je sais pas du tout ce que je fous, et dimanche je suis en JDR mais pas en live, donc ça va être très compliqué de retrouver des moments où live, mais on verra. Ah bah super, pour une fois que je peux passer tu fais court. Ouais, mais on se voit tout à l'heure Ronin. Non, c'est que là je vais faire une pause lecture, bouffe et tout ça. Non, parce que je connais un con, hein, il passe dans une boutique. Eh ben, il achète un coffret manga. Et il lui reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mangas à lire là-dessus. Et puis, alors qu'il n'a pas encore fini, il en achète d'autres encore. Donc voilà, voilà. J'ai de la lecture en retard.
Puis j'ai pas envie de live jusqu'à 20h pour ensuite devoir me précipiter pour bouffer, tout ça, tout ça. Donc voilà, moi je vous dis, je sais pas quand pour un prochain live, et sinon, bah, Ronin, Selenix, Groob, bah, je vous dis à tout à l'heure pour le JDR. À plus !